disait en titre, deux points majeurs étaient à l'ordre du jour, à savoir le financement du projet Cap 100 000 tonnes de bananes et le vote du budget supplémentaire. Si sur le premier point, le vote s'est effectué à l'unanimité et dans le calme, en ce qui concerne le budget supplémentaire, les échanges ont été très vifs entre Ary Chalus et Victorin Lurel. Pour l'ancien exécutif, le changement d'avenir n'est pas au rendez-vous et la région avance dans un corridor fermé. Écoutez-le. Je rappelle que l'INSEE vient de publier que la Guadeloupe a eu un taux de 1,9%. Le meilleur taux de croissance de France, le meilleur taux de croissance de l'Outre-mer, que le tourisme a augmenté de 58%, que le Memorial Act qui a été décrié, dont on a mégoté sur le budget, eh bien, est le bateau amiral du tourisme guadeloupéen et ça fait notre fierté à l'étranger. J'étais à New York il y a quelque temps. Les gens ne me connaissaient même pas, m'ont parlé du Memorial Act. Pour dire que aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que vous faites un budget supplémentaire qui est abondant. Ce n'est pas un budget supplémentaire. C'est un budget primitif. Parce que votre budget primitif n'était pas sincère. Lorsque vous voyez, vous mettez 4 millions pour le cyclotron, pourquoi l'avez-vous pas mis dans le BP? Un BP, ce sont des crédits qui doivent durer 12 mois. Ce n'est pas pour 3 mois ni pour 6 mois. 7,5 millions, je l'ai dit sur le barrage de Moreau. En AP, mais vous mettez 2 millions. C'est insuffisant. C'est insuffisant. L'entreprise a déjà fait plus que 2 millions de travaux. Vous ne pourrez pas payer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer l'amélioration de l'habitat. Insuffisance de crédit. Vous avez créé une crise. Alors, vous avez de la chance. Vraiment. Les entreprises souffrent, mais se taisent. Eh oui. Certaines m'appellent pour dire, Président, on n'est pas payé. Je suis presque sûr. Vous êtes à 8 mois de délai de paiement. Et je demanderai au service de me dire qu'est-ce qui est inscrit en 67.11, intérêt moratoire et pénalité sur marché. Je veux voir. J'ai vu 350 000 euros. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ça. Je veux voir qu'est-ce qui a été mis là dans cet article. On n'a pas le détail dans le texte. Et donc j'aimerais savoir ce que... Je répète ce que Christian a pu dire. Quel est le montant de la trésorerie? Vous interdisez aux payeurs de parler. Depuis tout à l'heure, 11 mois, dans un mois et 18 jours, vous aurez une année à la tête de la région. Vous avez proposé à la Guadeloupe sur une plateforme mirobolante, et vous avez été bien élu, de changer d'avenir, de changer de modèle économique. Bref, de métamorphoser le réel. 12 mois après, cet avenir-là s'apparente à un corridor avec une porte fermée pour employer une belle image de Gustave Flaubert, de Madame Bovary. Corridor fermé. On ne voit rien venir, comme la sœur oui. Anne Ducomte de Pérou. Oui, conclue, s'il vous plaît. Rien. Alors, je m'interroge sur ce budget supplémentaire. Je m'interroge sur ce budget supplémentaire parce que... Monsieur Legal, ça fait plus de 15 minutes que vous parlez, je n'ai rien dit. Alors si vous vouliez brosser autour pour vous faire voir, je suis désolé, il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Ça fait 15 minutes que vous parlez, je vous laisse parler. On a un parler. Vrai problème. Je suis désolé, je vais vous demander de conclure. Ça ne fait pas 15 minutes, j'ai on a un vrai problème. 15 minutes que vous parlez, monsieur. On a un vrai problème, monsieur le Président. Monsieur le payeur, je on voulais a... juste... Non, non, plaît, je peux préfère, finir. Je préfère ne pas... Si on ne je, peut non, pas non, parler non, non, ici. Non, non, je ne rentrerai pas dans attendez, aucune discussion avec vous. J'ai un avec moi. Je ne rentrerai dans aucune discussion avec vous. Je voulais juste poser. Je préside une assemblée. Monsieur le payeur, je vous ai déjà empêché de parler ici. Non, non, prenez le micro pour le dire. Prenez le micro pour me le dire. Il y a un micro juste à côté de vous. C'est important pour la Guadeloupe. Vous l'avez empêché. Monsieur le payeur, je vous ai empêché de parler ici. Merci, monsieur le payeur. Peut-il répondre? Merci, monsieur le payeur. Peut-il répondre? Monsieur Losbar a demandé la parole. Monsieur Losbar. Non, non, monsieur le je suis désolé. Si je ne peux pas finir mon discours. Mais non, j'ai je suis obligé de vous couper. J'ai un... Je suis désolé. Monsieur Losbar. Monsieur le...
Monsieur le Président, c'est pas un problème. Je suis content que vous soyez là parce que vous, votre présence me permet de bien travailler. Monsieur Nussbaum a demandé la parole pour répondre à Monsieur Baptiste. Vous avez voulu brosser, tourner. Ça, c'est votre problème, monsieur. Vous auriez dû rester sur le budget supplémentaire. Monsieur Nussbaum. Monsieur Matassin est sur le budget. Monsieur Matassin a quoi de formation. Monsieur Nussbaum. On reviendra tout à l'heure. Oui, monsieur. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Monsieur Losbar a besoin de parler. Le mien ou le vôtre? Monsieur Losbar. Je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas. C'est vous.